Lors de la parade des champions du 14 septembre, Teddy Riner a vécu un moment inattendu avec Emmanuel Macron, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Alors qu'il devait recevoir la médaille de commandeur de l'Ordre national du mérite, après ses exploits aux Jeux olympiques de Paris 2024, le judoka français, gêné par la chaleur, avait retiré sa cravate et déboutonné son col. Et c'est là que l'inattendu s'est produit. Emmanuel Macron, avec un sourire, s'est avancé pour ajuster lui-même la cravate de Teddy Riner en plein direct. Ce geste, un peu insolite pour un président, a immédiatement provoqué de vives réactions parmi les spectateurs et sur les réseaux sociaux. Certains ont trouvé ce geste trop tactile, voire gênant, tandis que d'autres ont salué une marque de respect et d'attention. Mais Teddy Riner n'est pas du genre à se laisser déstabiliser. Sur le plateau de l'émission « C'est à vous » sur France 5, il a choisi de répondre avec humour et légèreté « Je suis honoré d'être décoré par le président de la République. Et en plus, j'ai eu droit à un ajustement de cravate personnalisé. » Loin de s'offusquer des critiques, Teddy Riner a préféré rire de cette situation unique. Il a reconnu avoir eu chaud ce jour-là, mais il a tenu à souligner son respect pour l'honneur qui lui était fait. « Personne d'autre n'a vécu ça. C'est quelque chose que je raconterai à mes petits-enfants », a-t-il ajouté avec un sourire malicieux. Sur les réseaux sociaux, la mise au point de Teddy Riner a été largement saluée. Super Teddy Riner qui recadre ceux qui ont osé des interprétations scandaleuses de cette séquence, pouvait-on lire parmi les nombreux commentaires de soutien. Finalement, ce moment surprenant montre une fois de plus que Teddy Riner, en plus d'être un champion sur les tatamis, sait garder son calme et son humour en toutes circonstances. Une leçon de légèreté et d'élégance qui a conquis le public.